Ok, bon, bonsoir à tout le monde. Du coup, c'est pour le deuxième space que j'hoste. Du coup, celui d'hier, c'était justice, procès, procédure. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le space sur le droit des affaires, donc comme c'est indiqué. Donc, je vais vous présenter directement, je vais donner la parole aux personnes qui, du coup, vont vous expliquer les masters droit des affaires. Du coup, Mathilde, je te laisse commencer. Normalement, tu as la parole. Ou sinon, vas-y, Léa, vu que je sais que tu es coach et que du coup, tu as possibilité d'avoir la parole. N'hésite pas à te présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Léa, donc je suis en master de droit des affaires à Dijon. Il s'appelle master juriste d'affaires commerce, distribution, consommation. Et la spécificité c'est qu'il est en alternance pour la deuxième année. Du coup moi pour vous expliquer mon parcours, j'ai fait une licence de droit Sciences Po à Lyon 3. Ensuite je suis partie en L3 en droit privé et du coup je suis partie du coup à Dijon pour mon master. Ok, parfait, merci. Et du coup, l'autre Léa, parce que nous avons deux Léa de deux masters de droit des affaires, je n'arrive pas à trouver ton TN, donc n'hésite pas à me faire une demande plutôt que ce que okay, je te donne la parole, ce sera plus rapide. Normalement, Mathilde, tu peux parler du coup. C'est bon, ça fonctionne. Du coup, moi, je m'appelle Mathilde et je suis en première année de master droit des affaires et fiscalité à l'université de Bordeaux. Du coup, c'est un master DJCE, s'il y en a qui connaissent. Donc, mon master, la deuxième année, elle se fait aussi en alternance. Et voilà. Et donc, pour mon parcours, j'ai fait ma licence à l'université du Mans. Et du coup, je suis à Bordeaux depuis cette année. Voilà. Ok, parfait, merci. Puis du coup, vas-y, l'autre Léa, n'hésite pas à présenter. Du coup, c'est également Léa. Je suis actuellement en master 1 de droit des affaires, mais avec pour spécialité un parcours droit de la vigne et du vin. Notre master ouvre également en alternance à partir de l'année prochaine. Donc, c'est la première année que ça ouvre en alternance. Et pour mon parcours, j'ai fait une double licence à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit histoire. Ok, parfait. Donc, vous voyez bien qu'il y a des profils pas mal différents. Donc, pour rappel, donc, dans les spaces comme ça, on va poser des questions et vous pouvez prendre la parole et poser des questions. Si vous n'osez pas prendre la parole, vous pouvez aussi les poser en DM, auquel cas je les lirai et chacun des intervenants pourra y répondre. N'hésitez pas, les personnes qui sont en master droit des affaires aussi, je sais que certains écoutent parfois les spaces, à vous proposer pour prendre la parole. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres masters. Plus de master possible, c'est plus à chaque fois d'informations. Et du coup, pour rebondir sur les différentes présentations, Mathilde avait une particularité dans son master. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu comment fonctionne ton master en particulier? Ça pourra permettre aux personnes qui veulent y candidater d'avoir une idée. Alors, du coup, moi, c'est un master DJCE. Du coup, pour ceux qui sont intéressés par ces masters-là, il y en a 11 en France. Et en fait, c'est pour la candidature. Donc, vous devez candidater au master par les sites des. Enfin, du coup, cette année, c'est avec. Il y a un truc centralisé, il me C'est ça. semble. Ouais. Mais du coup, pour les masters DJCE. Vous avez une sélection nationale quand vous venez pas de la fac en question. C'est-à-dire que comme moi, je venais du Mans, pour avoir le master DJCE de Bordeaux, il a fallu que je candidate deux fois, donc sur le site de l'université de Bordeaux. Enfin, du coup, ça sera avec le site mon master. Et après, vous avez sur un autre site la sélection nationale. Et en fait, vous passez des entretiens à Paris pour les DJCE que vous avez demandé. Et donc pour tous ces masters-là, le même jour et au même moment. Donc voilà. Donc si vous voulez un master en DJCE et que vous venez pas de la fac du master que vous voulez, en fait il faut penser à candidater sur les deux sites en fait. Il y a deux candidatures à faire. Et Donc peut-être voilà. explique un peu, parce que moi, par exemple, je ne fais pas droit des affaires, donc je ne sais pas à quoi correspond exactement le DJCE et pourquoi tu as choisi ça plutôt qu'un master, on va dire, normal de droit des affaires. Alors, le DJCE, en fait, c'est Diplôme Juriste Conseil d'Entreprise.
En fait, la particularité, donc, c'est que le Master 1, c'est un master en droit des affaires et en fiscalité normale. Enfin, vous faites les mêmes matières que les autres masters de droit des affaires basiques. Mais en fait, l'année de M2, déjà, elle est en alternance. Donc, ça, c'est cool. En plus, vous avez le DU des JCE, du coup, que vous passez. Enfin, c'est avec des matières spéciales sur toute l'année. Et donc, c'est une certification. En fait, c'est un DU donc, que vous avez en plus. Et en troisième lieu, en fait, au mois de juin, vous allez passer un mois à Montpellier avec tous les autres étudiants de DJCE de France. Et donc là, vous allez passer une certification. Donc, ça s'appelle les certifications de spécialité, je crois. Et donc, vous choisissez la spécialité que vous voulez. Donc, ça peut être en droit des sociétés, en droit fiscal, en droit de la concurrence, il me semble. Enfin, il y a plusieurs. Vous choisissez celle que vous voulez. Et donc, on passe tout le mois de Montpellier avec les autres DJCE de France. Donc, c'est l'année de M2 qui est un peu particulière. Et donc, moi, j'ai choisi ce master-là parce que, déjà, en général, c'est des masters qui sont assez réputés. Donc, notamment au niveau de l'alternance en deuxième année, vous avez accès à des gros cabinets parisiens ou des grosses entreprises. Donc, ça, c'est bien. Et après, en fait, vous sortez du master avec, du coup, le diplôme du master, le diplôme des JCE, plus le certificat de spécialisation. Donc, ça fait. Enfin, beaucoup de diplômes, on va dire, donc c'est vraiment un plus. Ok, parfait. Bah, écoute, ça peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent vraiment, puisque je devine que c'est quand même pas mal prestigieux, donc pour ceux qui visent des gros cabinets ou quoi que ce soit, ça peut être utile. Et puisqu'on parle droit des affaires, on parle forcément alternance. Et donc, du coup, je sais que vous êtes quasiment toutes concernées par l'alternance. Mais du coup, Léa, si tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, toi, dans ton master, parce que je sais qu'il y a peut-être des particularités, donc vas-y, n'hésite pas. Ouais, bien sûr. Du coup, mon master, il est. Enfin, du coup, faut bien comprendre parce que je sais que moi, j'ai pris du temps à bien le percevoir. Mais mon master, c'est vraiment un master de droit des affaires. Donc, faut pas s'attendre qu'à faire du droit de la vigne et du vin. C'est-à-dire que du coup, je suis aussi du coup à la fac de Bordeaux, donc je suis avec Mathilde et je pense qu'on a le même socle de matière, donc droit fiscal, droit spécial des sociétés. Enfin, toutes les matières vraiment droit des affaires, sauf qu'en plus, vous avez une spécialisation en droit de la vigne et du vin. Et du coup, c'est la première année que notre directeur de master le fait ouvrir en alternance, sauf que ça reste un choix. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que je veux préparer le barreau en M2 pour passer le concours du barreau. Donc, c'est soit vous avez le choix de faire un parcours classique. En M2 classique, que en cours, soit vous avez le choix de préparer en même temps le barreau, ou soit vous pouvez faire une alternance. Donc en fait, ça reste assez libre et vous le faites comme vous le sentez. Il y a des gens en fait qui rentrent en sachant directement qu'ils veulent faire le barreau et donc du coup, bah, ils vont pas réfléchir à faire une alternance ou non. Mais par exemple, ça peut être sympa pour les gens qui hésitent encore à vouloir faire avocat ou qui sont pas hyper sûrs. Ça peut être une bonne solution de faire une alternance, par exemple, dans un cabinet, pour savoir si vous voulez, du coup, ou pas tenter le concours. Voilà. Et du coup, même l'alternance est peut-être conseillée pour les juristes en entreprise, je devine. Ouais, en fait, notre master, il est assez large. Du coup, vu que c'est un master de droit des affaires, enfin, c'est un diplôme de droit des affaires. Vous pouvez faire à peu près tous les métiers que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire commissaire-priseur, il y en a qui veulent faire avocat, il y en a qui veulent faire juriste, il y en a qui veulent faire du conseil. Et après, il y a toute cette partie vraiment affairiste. Et il y a aussi les gens qui veulent vraiment travailler, par exemple, dans des châteaux, dans des domaines viticoles. C'est très, très large. Donc, en fait, c'est comme vous le voulez. Il n'y a pas vraiment de parcours type. Chacun a plus ou moins son propre parcours et ses propres attendus du master. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Pour le coup, il est très très large et il y a plein plein de débouchés que vous pouvez choisir.
Non, mais c'est exceptionnel parce que ce master de droit de la vigne et du vin, je pense qu'on a été tous en L3 quand on regardait sur les plateformes à découvrir et je trouvais ça exceptionnel puisque je me demandais les débouchés. Et du coup, malheureusement pour moi, ce n'est pas le fait de traîner dans les grands châteaux viticoles toute la journée. Tant pis, il faut travailler quand même le droit. Et bah si, final, enfin, du Ah! coup, on est, enfin, en fait, on a une à Bordeaux. Ce qui est cool, c'est que bah du coup, c'est quand même un super endroit. Et donc, on a des assos qui sont rattachés à la fac qui vous permettent de découvrir des gros domaines et de faire des dégustations. Et il y a aussi l'asso de mon master qu'on peut rejoindre en M2 et qui permet en fait de faire des colloques à Cognac, par exemple, de visiter des grands châteaux. Donc aujourd'hui, ils ont été visiter Laffitte Rothschild. En fait, on est tout le temps dans les châteaux, on est tout le temps dans les vignes et on découvre énormément, énormément de choses. Mais oui, il y a quand même un gros côté droit des affaires qu'il ne faut pas oublier parce que c'est quand même un master de droit des affaires. Mais il y a quand même la plus-value où on goûte du bon vin, on découvre des gens super sympas. Du coup, ouais, c'est un bon juste milieu, je trouve. Oui, puis il y a déjà une très bonne vie associative avant même que tu commences. T'as Voilà. pas besoin de te mettre dedans, c'est direct inclus. C'est exceptionnel. Du coup, l'autre Léa, si tu peux expliquer un peu comment fonctionne ton master en particulier et du coup, peut-être même comment fonctionne l'alternance pour toi. Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi je le rappelle, du coup, je suis à Dijon, un master juriste d'affaires, commerce, distribution, consommation. Alors nous, le master 1, c'est un master généraliste de droit des affaires. Donc on fait du droit fiscal, on fait du droit des sociétés, du droit bancaire, du droit des entreprises en difficulté, on fait de l'anglais, on a aussi un peu de compta, parce qu'en droit des affaires, faut qu'on sache un peu manier les chiffres, même si ça reste toujours compliqué. Et on fait aussi tout ce qui est droit du numérique, par exemple, donc RGPD et tout, du droit international privé. Enfin vraiment, on fait quand même beaucoup, beaucoup de choses en master 1. Et la spécialisation, en fait, arrive avec le master 2, en fait, avec l'alternance. Donc le master 2, il reste très généraliste, mais on fait une alternance. Ce qui est bien, c'est que c'est un rythme de 3 semaines en entreprise et d'une semaine à la fac. Sachant qu'à Dijon, on a une grande chance, c'est que on a ce qu'on appelle la cité de l'alternance, qui nous accueille sur Dijon quand on est à la fac. Donc c'est-à-dire que moi, je fais mon alternance sur Lyon, dans un cabinet d'avocats, parce que je suis lyonnaise de base. Et du coup, je paye juste mon logement à la semaine quand je suis sur Dijon. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et donc du coup, le master, on est tous dans des alternances très, très différentes. On a des du coup, on est en alternance soit dans des grosses boîtes, soit dans des cabinets, soit dans des cabinets d'expertise comptable ou même chez des mandataires judiciaires. Et on a des petites boîtes sur Dijon. On a également des grosses boîtes à Paris ou à Lyon, comme par exemple, enfin, on a Carrefour en partenaire, on a le groupe SEB. Enfin, c'est très, très varié. On a beaucoup de gens qui sont dans des cabinets d'expertise comptable qui vont faire du droit des sociétés. Et moi, par exemple, je suis dans un cabinet d'avocats généraliste de droit des affaires, donc surtout droit des sociétés, droit des contrats et du contentieux dans plein de domaines selon ce que rencontrent nos clients. Et du coup, pour l'alternance, ça dure en général 1 an. On peut commencer un peu avant. Enfin, d'habitude, c'est de septembre à septembre. Moi, j'ai fait de juillet à septembre, du coup, qui arrive. Ça dépend après les alternances au niveau du rythme. Ça peut être 3 jours, 2 jours. Je crois que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous ce soir, mais nous, c'est 3 semaines, 1 semaine. Et il faut savoir qu'il y a aussi deux types de contrats en alternance. On a ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. C'est deux types de contrats un peu différents. Et c'est des grilles tarifaires, donc enfin, on est moins payé en général qu'on est en contrat d'apprentissage. Du coup, c'est pour ça qu'on est beaucoup à être en contrat d'apprentissage. Et il y en a d'autres qui sont en contrat de professionnalisation. Et là, on est un peu plus, on va dire, salarié, même si dans tous les cas, on est salarié. Mais du coup, on a plus d'avantages en étant en contrat de professionnalisation. D'accord, ok, parfait, merci. Ça m'a l'air tout de même être une situation assez particulière en contrat d'apprentissage. Tu sens l'exploitation derrière le... Dépend après des boîtes. Moi, j'ai beaucoup de chance où on m'intègre vraiment dans le cabinet dans lequel je suis.
Mais c'est juste en fait au niveau du salaire où c'est des grilles, là c'est l'État qui décide. On va dire après on peut tout... enfin l'entreprise peut toujours nous payer plus, mais c'est rarement le cas. Mais du coup c'est des grilles selon l'âge et selon le nombre d'années d'alternance qu'on a déjà faites. Donc par exemple moi je serais plus, enfin on est plus payé si on fait une deuxième année d'alternance que si on n'en a fait qu'une seule dans notre parcours. D'accord. Ben voilà, si, voyez ce contexte de grève. Si vous souhaitez avoir des meilleurs, des augmentations de tarifs d'ici l'année prochaine, n'hésitez pas à participer, à faire un petit cortège de juristes en droit des affaires qui souhaitent avoir une bonne paye au niveau des alternances. Mimo, je sais que tu es encore et toujours sur les lives et que tu as des petites informations qui pourraient intéresser les personnes au niveau de la sélection des masters. N'hésite pas à prendre la parole maintenant ou tais-toi à jamais. Bien sûr, toujours parler, ça change pas. Et je suis toujours sur les lives parce que je suis toujours au courant des petits nouveaux trucs croustillants sur la sélection en master. Comme par exemple que depuis fin de semaine dernière, il y a quelque chose qui est sorti de nouveau, qui est qu'il y aura une troisième phase sur mon master. Ce sera une troisième phase pour les personnes qui n'ont pas eu de master à la première et seconde phase. Enfin, du coup, maintenant deuxième phase. Et il faudra hiérarchiser des vœux. C'est-à-dire qu'à partir du 21 juillet, la plateforme aura en théorie fermé, mais elle réouvre quelques jours après. Il me semble que c'est le 26. J'ai le mail juste à côté. Je regarde 2 petites secondes. Juste pour ne pas dire de conneries. Et en gros, on pourra hiérarchiser nos vœux pour qu'on puisse. Voilà, entre le 21 juillet et le 30 août, c'est la troisième sous-période. Et donc, l'étudiant devra hiérarchiser ses vœux sur la plateforme entre le 22 et 25 juillet. Entre le 26 juillet et le 21 août, il dispose de 3 jours pour répondre aux propositions reçues avant le 19 août. Et entre le 21 août et le 30 août, il dispose d'un jour pour répondre à une proposition reçue après le 20 août. En gros, la troisième phase, ce sera de la hiérarchisation, c'est-à-dire que si vous acceptez si vous êtes accepté dans le premier vœu, bah, les autres vœux, vous les perdez, donc c'est quelqu'un d'autre qui les récupère, etc., etc. C'est comme sur Parcoursup à l'époque ou APB encore bien plus avant. Non, Parcoursup, il n'y avait pas d'hiérarchisation, du coup, c'était APB. Mais n'hésite pas peut-être à rappeler vite fait les dates des premières et secondes phases. Alors, la première phase commence le 22 mars. Il faut que je récupère les dates. Et en gros, à partir du 22 mars, vous pouvez déposer vos dossiers, faire vos vœux, et vous êtes limité à 15 mentions de master. C'est-à-dire que, par exemple, si dans une université, vous avez une mention qui comporte deux parcours, comme par exemple pour le parcours droit privé à Grenoble, vous pouvez postuler pour les deux parcours et ça ne vous coûtera qu'un vœu. Par exemple, Grenoble a 18 masters différents, 18 parcours différents, mais 11 mentions. C'est-à-dire que vous n'utilisez que 11 mentions pour postuler à tous les masters de Grenoble. Et du coup, pour les phases, c'est du... Alors, mon master date. C'est du jusqu'au 22 mars, on consulte les masters. Du 22 mars au 18 juillet, on dépose les candidatures. Et à partir du 16 juin, vous avez les établissements qui examinent les candidatures. Et à partir du 23 juin, vous pouvez répondre aux candidatures. C'est-à-dire que vous allez tout, pendant les premiers vœux, la première période, vous avez 3 jours pour répondre. Et ensuite, c'est 2 jours. Et je crois les 2 dernières semaines, vous avez un jour max pour répondre pour donner votre validation ou refuser un vœu. Sachant que vous pouvez mettre un oui si, c'est-à-dire que vous pouvez garder, valider un vœu, l'accepter, sous condition que vous n'avez pas quelque chose d'autre de meilleur qui vous accepte. Et voilà. Super, parfait. Merci pour ces informations. Comme d'habitude, tu es d'une efficacité remarquable. Du coup, on va continuer sur le space droit des affaires. C'était juste un petit point d'information pour vous pour la sélection des masters. Ce que je vous propose, c'est que chacun des intervenants va présenter le contenu de leur plaquette d'une manière assez générale pour que vous voyez ce qu'il y a dedans. Peut-être expliquer les petites spécificités de chacun des masters s'ils ont des matières qui voilà sont plus intéressantes et c'est pour cela que vous devez choisir leur master à tout prix. Et ensuite, on va peut-être parler, vu que je sais qu'en droit des affaires, c'est tout de même pas mal de le mettre en avant, la question des partenaires de master, donc notamment les entreprises qui travaillent avec les masters en particulier. Ce qui peut notamment vous aider si vous souhaitez mettre dans vos lettres de motivation que vous adoreriez travailler à Carrefour, que c'est votre rêve de toute votre vie et que bizarrement, c'est un des partenaires du master auquel vous voulez candidater. Donc du coup, je propose peut-être que du coup, orientation droit, si tu veux commencer pour présenter ta plaquette de master et peut-être les partenaires. Ouais, pas de souci.
Juste 2 petites secondes avant que j'oublie, et vu que je vais devoir partir bientôt. Le droit des affaires, comme le droit social, c'est une filière qui est très, très, très demandée par. Comment ça s'appelle? Enfin, très demandée. Oui, c'est des masters qui sont très demandés. Et vous avez donc des masters, c'est les faux masters qui vont proposer des formations qui sont premièrement ultra chères et deuxièmement qui ne sont pas reconnues par l'État. C'est-à-dire qu'à la fin de vos 2 ans, vous n'aurez aucun diplôme, mais juste un papier qui vous dit vous avez dépensé 18 000 euros dans un truc qui sert à rien. Vous ne pouvez pas faire passer le CRFPA, vous ne pouvez pas passer l'ENM, vous ne pouvez passer absolument rien. Et en plus, on va se moquer de vous sur Oui, Twitter. ici c'est un master hate account, donc n'hésitez pas à ne pas aller dans ces filières. Et sachez qu'on vous le répète inlassablement, tout simplement parce que chaque année il y a des personnes qui se font avoir et ça nous met dans une rage folle de savoir que des étudiants qui sont la plupart précaires se font avoir dans des choses comme ça. Donc les masters, les DU, c'est de formation aussi, les masters, non. Donc vas-y, orientation droit, n'hésite pas, même si Mimo t'a coupé la parole de manière très mal polie, il faut le retenir. Non, mais il a raison. En plus, parce que moi aussi, j'ai l'habitude de confronter, enfin, d'être confrontée à des étudiants qui viennent de me dire qu'ils ont fait un master et qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas passer le CRFPA. Donc, je comprends tout à fait. Du coup, alors nous, en master 1, c'est en fait un master 1 qui est commun à plusieurs masters de droit des affaires. Parce que nous, à Dijon, on a aussi, par exemple, le master de droit fiscal ou le master de juriste affaires internationales. Donc, tous ces masters-là, on a des socles communs. Qui est notamment le droit fiscal, le droit bancaire, le droit des entreprises en difficulté. On a aussi le droit. Notre spécificité, pardon, aussi, c'est qu'on est ouvert un peu sur l'international. On fait du droit européen des affaires, du droit international privé. On a aussi pas mal d'anglais. Mais c'est des cours d'anglais bien. Les profs sont franchement géniaux. C'est la première fois qu'en anglais, on est tous autant à l'aise. Et aussi, on est très axé sur l'actualité. Donc, on fait de la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Donc, on voit un peu du droit de la responsabilité des entreprises, du droit environnemental, le droit du numérique. Voilà, tous ces sujets qui vont arriver. Donc, tout ce qui est aussi compliance. Voilà, on fait de la propriété intellectuelle. Et après, on a quelques options en droit civil ou d'autres langues, ou même une option de stage pour le master 1. Et ensuite, nous, la particularité, donc, c'est l'alternance en master 2. Et surtout, ce qui est vraiment génial dans notre master 2, c'est que tout est axé pour nous faciliter la vie dans l'alternance. C'est-à-dire que c'est fini les cours en CM, c'est fini les cours théoriques, bien que, évidemment, on en est encore un peu, mais on a surtout en fait des espèces. On est 15 en fait dans la promotion de master cette année. Normalement, le directeur de master va ouvrir un peu plus de place. Enfin, il se bat pour avoir un peu plus de place dans son master. Donc, je pense que les prochains, là, il a annoncé que ça serait entre 18 et 20 personnes. Et du coup, on est en petit groupe, donc c'est génial. La fin des amphis où on est très nombreux, on peut vraiment discuter avec les profs, ça change tout. Et on a beaucoup en fait de cours axés sur la pratique. Notamment, on a des ateliers de rédaction de clauses. Donc, on apprend à rédiger des clauses, les points d'attention, les risques, etc. On a des ateliers où on apprend la négociation de contrats. C'est des techniques de négociation, comment faire en sorte de ressortir du négo avec ce qu'on voulait. Voilà, on a aussi des cours très annexes sur, par exemple, le droit de l'arbitrage, enfin, des cours qui sont assez peu communs au final. Et on a évidemment tous les cours un peu basiques, hein, droit des contrats, droit de la consommation, droit de la concurrence, évidemment, de la propriété intellectuelle aussi, le droit des données. Et on a beaucoup aussi d'ateliers, comment dire, des cours de droit des affaires, mais en fait axés sur des thèmes. On va avoir des cours spécialement dédiés aux fonds de commerce, spécialement dédiés aux baux commerciaux, aux contrats de distribution. Voilà, on a plutôt en fait des thèmes centraux. Et aussi, le programme est adapté selon nos alternances. Si on a beaucoup, cette année par exemple, on est beaucoup à faire du droit des sociétés. Donc, le programme tourne aussi pas mal autour du droit des sociétés parce qu'on est nombreux cette année à être en droit des sociétés. Et nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous tient vraiment quand même par la main pour nos alternances, c'est-à-dire qu'on a un job dating en fin de M1 avec du coup tous nos partenaires, donc ce qui facilite quand même pas mal la tâche pour chercher nos alternances. Et notamment, on a du coup, j'ai cité Carrefour tout à l'heure qui est à Massy, près de Paris. On a Desanges à Paris.
On a également, en fait, on a des partenariats un peu partout, c'est-à-dire qu'on a aussi, par exemple, Alinéa qui est à Aubagne, près de Marseille. On a le groupe Seb à Écully, près de Lyon. Et après, évidemment, plein d'autres. On a des cabinets d'avocats sur Dijon même, des cabinets d'expertise comptable aussi sur Dijon. On a l'APR aussi pour. L'APRR, c'est les autoroutes. On a AXA, par exemple, pour les assurances. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup de choses différentes, même des banques. On a le Crédit Agricole de Bourgogne, du coup. La Mutuelle Générale aussi. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup de partenaires et en général, on a même plus de partenaires que d'étudiants, ce qui fait que on peut choisir entre guillemets nos alternances. Et puis après, chacun est libre de chercher où il veut. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je voulais sur Lyon. Il n'y avait pas beaucoup d'offres partenaires sur Lyon, donc j'ai cherché et j'ai pu trouver l'alternance que je voulais. Ok, Voilà. super. Juste parce qu'on a eu la question sur un des tweets, tu peux rappeler juste ton master spécifiquement ou quel... Ouais, master, c'est juriste d'affaires, commerce, distribution, Ok, consommation. et dans quelle université? C'est un peu long et complet. C'est à l'Université de Ok, Dijon. parfait. On va peut-être essayer de le rappeler comme ça, vu qu'on va dire beaucoup de mots Ouais. à chaque intervention pour être sûr que personne se Ça marche. perde, quoi. Bah, du coup, Mathilde, si tu veux pareil, expliquer ta plaquette et puis peut-être les partenaires de master aussi, ça pourrait être intéressant pour les personnes qui souhaitent rejoindre ton master. Du coup, moi, c'était le master DJCE à Bordeaux. Donc en M1, c'est un master de droit des affaires, enfin normal, mais orienté fiscalité quand même. Donc les majeurs qu'on a, ça va être au premier semestre, on va avoir droit bancaire et droit fiscal avec tout le semestre sur la TVA. Et au deuxième semestre, ça va être droit fiscal, mais imposition des bénéfices des entreprises et droit des entreprises en difficulté. Après, on a donc des matières de droit des affaires assez généralistes. Donc, on va avoir droit spécial des sociétés, on a de la compta, on a du droit de la distribution, du droit de la propriété industrielle, du droit international privé. Et je crois que c'est tout. Oui, ça doit être tout. Donc après, on a enfin, l'anglais, etc. Au niveau des partenaires, donc en fait, on a l'alternance dans mon master pour le M2. Elle existe depuis 3 ans. Et du coup, en général, en fait, les alternances des années d'avant se renouvellent au fur et à mesure des années pour les étudiants. Donc, on va avoir des étudiants qui sont en cabinet d'avocats. Donc, on a des cabinets d'avocats sur Bordeaux. Par exemple, moi, je la ferai chez Rivière. Donc, c'est un cabinet spécialisé en fiscalité immobilière à Bordeaux. Mais après, on en a qui sont dans des plus grosses structures, même sur Paris. Il y en a beaucoup qui partent sur Paris. Donc, on en a chez PwC, chez EY, chez Deloitte, il me semble. On doit avoir chez Fidal. On en a aussi. C'est des gros cabinets. Après, on en a pas mal en général aussi qui partent en fait faire leur alternance dans les administrations fiscales. Donc, on a notre directeur de master qui a un partenariat avec plusieurs administrations fiscales. Donc, soit sur Paris, soit donc dans le sud-ouest. Voilà. On en a qui font aussi leur alternance en études de notaire, en cabinet d'administrateur judiciaire, et en fait en entreprise aussi. Il y en a beaucoup qui le font en entreprise, dans les directions juridiques des gros groupes. Alors là, je sais qu'au niveau des Master 2, il y en a un qui est chez Air France, on en a à Carrefour. Donc la direction juridique de Carrefour. C'est il y en a une qui doit être chez Rothschild. Enfin, ça reste c'est des grosses boîtes ou des gros cabinets ou des cabinets locaux mais très spécialisés. Donc voilà. Et après, ce qui est intéressant dans le master, c'est qu'en fait, au niveau de l'alternance, c'est un rythme en 3 mois. C'est-à-dire que vous faites septembre, octobre, novembre à la fac. Décembre, janvier, février dans l'entreprise ou dans le cabinet. Et en fait, ça marche par 3 mois, en sachant que la dernière période peut durer 6 mois.
donc peut être allongé. Et en fait, ça peut être bien parce que ça permet de partir à l'étranger s'il y en a qui veulent faire leur alternance à l'étranger. Parce que du coup, il n'y a pas besoin de rentrer toutes les semaines. Donc même ceux qui vont être à Paris, ben, ça permet d'avoir... Enfin, c'est plus facile en termes de mobilité. Et en plus, ben, c'est vrai que d'avoir un rythme sur 3 mois, vous allez être sans cesse en entreprise ou en cabinet, ça permet de vraiment avoir une intégration au cabinet qui est constante et de ne pas avoir la tête dans les cours au moment où vous êtes au cabinet et inversement. Donc Ah, du voilà. coup, c'est vraiment intéressant d'être vraiment en immersion totale pendant 3 mois. Désolée, vous entendez derrière. Oui. Oui, c'est ça. Et du coup, ça permet. Donc l'alternance, elle peut commencer pareil avant, comme c'était le cas de Léa, il me semble. Du coup, on peut faire en fait de juillet jusqu'à décembre. Donc ça fait une période d'un an et demi en tout. Et donc ça permet d'avoir une vraie immersion dans les cabinets ou dans l'entreprise, comme c'est des périodes assez longues. Et en fait, comme le master est en fiscalité, la plupart des gens vont aussi faire leur alternance plus dans le côté fiscal. Et en fait, ça permet de voir l'intégralité de l'année fiscale qui est différente en fonction des différentes périodes, en fait. Donc c'est Ouais, intéressant. super. Bah écoute, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes qui se posaient des questions, parce que c'est tout de même une organisation assez particulière au niveau du droit des affaires. Et bah du coup, merci beaucoup, ton intervention était très intéressante. J'ai beaucoup appris sur les masters de droit des affaires. Et du coup, je pense que c'est à l'autre Léa de cette fois-ci nous présenter son master, la plaquette de son master, ainsi que les partenaires, si tu souhaites le faire. Ouais, avant que j'oublie, du coup, nous aussi, c'est 3 mois, 3 mois, l'alternance, si vous la choisissez. Donc, déjà, c'est les mêmes avantages que Mathilde, du coup. Et pour la plaquette, du coup, nous, c'est un peu spécial parce qu'on a les matières fondamentales qui sont très, très, afféristes. Donc, on a, par exemple, le premier semestre, droit spécial des sociétés. Droit fiscal des affaires, donc TVA, droit d'enregistrement, etc. On a aussi de la propriété industrielle et commerciale, encore de la fiscalité, mais du coup sur l'imposition des bénéfices. Et à côté, on a des matières complémentaires. Il y a des matières qui sont encore très affairistes, comme du droit des contrats commerciaux, du droit du commerce international, du droit bancaire, de la comptabilité. De la consommation, de la distribution, mais on peut aussi avoir du droit rural ou du droit de la vigne et du vin. Donc, comme ça, on ne se rend pas très, très bien compte de ce que ça peut être. Mais droit rural, par exemple, moi, j'ai été hyper surprise parce que c'est très, très, très intéressant. Enfin, moi, ça a été une de mes matières préférées de l'année. Ça permet vraiment, vraiment bien de se mettre dans le jus du master et d'avoir une première matière qui commence un peu à se spécialiser vraiment dans le côté droit de la vigne et du vin. Donc c'est très, très intéressant. Du coup, sur les matières, ça reste ça. Et sur les partenaires, nous, on a beaucoup de chance parce qu'il y a un réseau des anciens qui est hyper actif. Et tous les anciens n'ont pas fait le même parcours. Donc, il y en a qui sont dans des domaines, il y en a qui sont dans des cabinets. Ça, c'est vraiment génial. Je sais qu'il est très, très accessible une fois qu'on est en M2. En M1, je vous avoue qu'on ne les voit pas tant que ça parce que du coup, on ne fait pas encore partie de l'asso intermillésime qui est l'asso de notre master. Mais une fois qu'on arrive en M2, on peut vraiment compter sur le réseau intermillésime du coup. Et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, niveau partenariat, ce qui est assez cool, c'est que notre directeur de master, il est très, très, très actif sur LinkedIn, sur le monde vraiment du droit des affaires. Donc, il connaît un peu tout le monde. Et ça, c'est hyper sympa parce qu'il est tout le temps en train de développer la visibilité du master, de chercher de nouveaux partenaires. Donc là, on a par exemple, en ce qui est vraiment très, très droit de la vigne et du vin, on a du coup le Conseil des grands crus classés. On a la Cité du vin de Bordeaux. On a des cabinets qui sont aussi spécialisés en droit des affaires.
comme Carré Renstie & Associés à Paris. On a Minéral, on a PwC aussi, qui a une branche à Bordeaux spécialisée dans le droit de la vigne et du vin. De tête, là, ah, si, on a aussi un cabinet, enfin, des notaires, donc Juris 20. Du coup, voilà, ça, c'est grosso modo nos partenaires. Mais le directeur de master, il est vraiment très, très, très disposé à aider les étudiants à trouver des stages, à trouver des alternances. Et donc, il fait vraiment de son mieux. Donc, si vous voulez discuter avec lui d'un stage ou d'une alternance, il sera toujours disposé à en parler et à essayer de faire du mieux qu'il peut pour essayer de voir ce qui peut nous correspondre et où est-ce qu'on peut candidater. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et du coup, voilà, c'est grosso modo, c'est plutôt ça. Nickel, parfait. Pour le mail, du coup, je te remercie de me l'avoir envoyé en DM. Pour tout le monde, si vous avez des questions en particulier sur ce master, n'hésitez pas. J'ai le mail du coup que Léa m'a donné avec une très forte gentillesse et je la remercie. Je le mettrai en commentaire de ce space à la fin et vous pourrez envoyer des questions du coup par mail si vous en avez. Au moins, ce sera vu que c'est quand même un master assez spécialisé. N'hésitez pas à poser des questions, ils sauront répondre bien mieux que moi, qui suis une quiche en droit des affaires, il faut l'assumer. Du coup, puisque c'est la question qui vous taraude beaucoup, on va parler de plus spécifiquement la sélection en master, bah, ce qu'ont vécu du coup les intervenantes. Et du coup, bah, je te propose Léa, on va repartir sur toi directement, au moins c'est fait. Si tu pouvais t'expliquer vite fait ce que tu avais comme dossier en candidatant. Et peut-être tes moyennes, tout ça. C'est toujours des choses qui sont un peu bêtes à rappeler, mais ça permet aux personnes de donner un petit ordre d'idée sur l'accessibilité du master ou non. Ouais, bien sûr. Du coup, bah, moi, avant, j'ai fait une double licence droit-histoire à la Sorbonne. J'avais 14 de moyenne. Et j'étais aussi dans une asso, dans une junior entreprise. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais du coup, j'étais présidente d'une junior entreprise en même temps. Et j'ai candidaté à peu près dans toute la France. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'étais hyper stressée par la sélection master. Donc, j'ai fait tous les masters de France possibles et imaginables. J'ai pu avoir les facs parisiennes. Donc, si vous avez des questions sur la sélection master 1 de droit des affaires, par exemple, à Paris 1, je l'avais eu. Donc, je peux éventuellement vous répondre. Du coup, voilà. Du coup, j'ai candidaté au master droit de la vigne et du vin, qui était vraiment mon vœu numéro un, tout simplement parce que c'est un master qui n'existe pas dans d'autres facs. Par exemple, il y a le master qui est à Reims, mais qui n'est pas un master de droit des affaires, qui est un master vraiment droit de la vigne et du vin. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle droit de la vigne, et je sais plus trop quoi. Je crois que c'est droit vin et champagne, ou je ne sais plus exactement comment ils s'appellent, mais ils n'ont pas l'étiquette droit des affaires, ce qui me semble quand même important à avoir. Enfin, ça, c'est mon point de vue personnel et c'est pour ça que j'ai priorisé celui de Bordeaux. Du coup, j'ai candidaté en priorité à ce master-là. Il faut que je dise la sélection, comment ça se passe dans mon master. Bah, peut-être ouais, touche de trois mots s'il y a des spécificités. Je ne sais pas, notamment, est-ce que tu as dû rédiger enfin, des choses en plus par rapport à la lettre de motivation basique? Et peut-être aussi donne un peu comment dire, ton ressenti ou même, tu sais, les gens autour de toi dans le master, quel niveau à peu près ils ont. Ça permet de faire une petite évaluation. Ok, ça marche. Du coup, mon master, il n'y a pas de choses en plus qu'une lettre de motivation, un CV, etc. Par contre, le directeur de master, il est très attentif à votre projet professionnel. Donc, ce que vous avez fait en amont, par exemple, des stages, des expériences qui peuvent un peu recouvrir sur le droit de la vigne et du vin. Par exemple, tout bête, moi j'avais travaillé dans le rayon de la cave de chez Leclerc et j'avais pu mettre ça en avant. Je sais qu'il y en a aussi dans mon master qui sont par exemple des enfants d'exploitants de domaines viticoles. Donc ça c'est aussi sympa, mais c'est pas du tout la majorité.
Du coup, voilà, il est assez regardant sur le projet professionnel. Si vous, enfin, faut pas avoir l'avenir défini et dire, enfin, tout le monde ne sait pas directement ce qu'il veut faire, mais peut-être avoir déjà une idée de ce que vous voulez faire par la suite du master, c'est plutôt bien vu. Ça montre que vous avez réfléchi à l'avenir après. Et sinon, les gens de mon master, c'est hyper diversifié. En fait, on est enfin, ils sont pas beaucoup de Bordeaux. Je crois qu'il y a 3-4 personnes maximum de Bordeaux. Il me semble qu'on est maximum 20. Mais que notre directeur de master, en fait, il ne cherche pas à remplir son master. Donc ça, c'est pas hyper courant. Mais en fait, il marche vraiment au feeling pendant l'entretien. Parce que du coup, il y a un entretien après. Il y a une présélection sur le dossier et après un entretien. Enfin, je pense qu'il marche vachement au feeling avec l'étudiant. Et si les places de son master ne sont pas remplies en entier, bah, c'est pas grave. Et il préfère ne pas remplir les places de son master plutôt que de mettre des gens juste pour combler le master, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, bah écoute, c'était parfait, super précis. Je sais que Mimo va bien sûr encore une fois parler. Vas-y. J'ai l'impression que ça te dérange un peu, Marilou, mais bon, on n'est plus à ça. Pas du tout. Alors, pour préciser, le master droit du vin et des spiritueux de Reims, c'est un master qui est donné par le droit, c'est l'UFR de droit et de sciences politiques. Et c'est plus un master qui c'est spécialiste dans le droit agroalimentaire et pas forcément dans le droit des affaires. C'est pour ça que le master de Bordeaux, où Léa fait son master là tout de suite, c'est un master qui est ultra spécialisé et ultra spécifique et qui est unique en France. C'est pour ça que son dossier est aussi intéressant et je ne vais pas dire unique parce que genre, elle a le. C'est pas un dossier qui est. Je ne sais pas comment dire. Elle a un bon Oui, dossier en voilà. fait. C'est pour ça qu'elle a été acceptée dans un master comme ça, qui est très très demandé. Premièrement, parce que c'est un master qui vous permet d'avoir des compétences qui sont spécifiques au droit du vin, et aussi qui est en général destiné à faire du droit des affaires. Donc, et je suis en train de me perdre, je voulais dire un truc et j'essaie de temporiser. Ça reviendra. Oui, donc du coup, par rapport au droit des affaires, vous savez que c'est l'une des filières les plus demandées. À la fin de la licence. Il y a l'appât du gain, tu le sens dans la demande. Mais n'hésitez pas, si vous souhaitez à tout prix faire du droit des affaires, à vous intéresser aux masters qui sont droit des affaires de manière très générale. C'est-à-dire que des masters comme celui de Léa en droit de la vigne et du vin sont très spécialisés, donc très demandés, avec des dossiers qui vont être vraiment spécifiques. Quand elle expliquait qu'il y avait un projet professionnel qui se dessinait derrière, vous voyez bien que c'est pas tout le monde qui va être accepté au droit de la vigne et du vin. Il faut vraiment avoir un dossier qui sorte, un projet professionnel qui vraiment soit lié à ça. Il y a d'autres masters de droit des affaires qui sont plus généraux. Et aussi, n'hésitez pas à faire attention, les masters en alternance, qui proposent de l'alternance, sont de manière générale plus demandés que les autres. Donc n'hésitez pas à faire des petites recherches là-dessus en amont. Ça vous permettra de faire un premier tri. Si vous savez que, par exemple, le droit de la vigne, bon, vous aimez bien prendre un petit coup le samedi soir, mais c'est pas ce que vous voulez faire comme projet d'avenir, vous n'allez pas candidater là-bas. Par contre, si c'est quelque chose pour laquelle vous avez une appétence et que même vous avez peut-être travaillé dans des exploitations viticoles, tout ça, n'hésitez pas à le mettre en avant. Ce qui rejoint aussi, je temporise un peu par rapport aux différentes interventions pour rappeler des choses, mais on pose souvent des questions sur les lettres de motivation, et en particulier en droit des affaires. Si vous avez des expériences extrascolaires, mais qui ne sont pas liées au domaine juridique pur et dur, ça n'est pas un problème à partir du moment où vous arrivez à le lier avec votre projet professionnel. Et notamment, si vous avez fait des choses qui ne sont pas vraiment dans la. Vous n'avez pas fait de consultation juridique ou quoi que ce soit, bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et sachez que d'ailleurs, la plupart des personnes n'ont pas en licence fait de stage ou quoi que ce soit, donc vous n'êtes pas. Vous partez pas avec enfin, c'est une plus-value, un stage. C'est pas un prérequis. Mais n'hésitez pas à mettre en avant le fait que vous avez fait des jobs étudiants l'été depuis vos 18 ans, que vous êtes quelqu'un de travailleur, que vous avez l'habitude de notamment pour les alternances, que si vous avez l'habitude du monde du travail, c'est déjà une plus-value. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant.
Et donc, vas-y. Si je peux juste intervenir aussi, je pense que ce qui est hyper important, c'est que vous sachiez aussi mettre votre personnalité en avant et vraiment montrer que vous êtes déterminé dans votre projet. Parce que par exemple, moi, je sais que mon master, du coup, il y a quelques années, le directeur de master était assez réticent à faire avocat par la suite. Parce que ce n'était pas le métier de prédilection que les gens faisaient à la suite de mon master. Et je sais qu'après, ça s'est ouvert et qu'il a changé d'avis et qu'il s'est dit pourquoi pas, ok, pourquoi pas prendre des gens qui veulent faire avocat par la suite. Mais en fait, il faut juste savoir défendre son projet. Par exemple, moi, du coup, en tant que présidente de junior entreprise, j'ai fait beaucoup d'audits et ce n'est pas du tout quelque chose qui. Enfin, ça n'a rien à voir avec le droit, en fait. Et du coup, j'ai dit directement à mon entretien que je voulais continuer dans le droit, mais que aussi je voulais trouver peut-être un stage ou quelque chose qui était dans l'audit conseil. Et je sais que mon directeur de master, je pense qu'il n'aurait jamais pensé à quelqu'un qui veuille faire de l'audit conseil. Mais en fait, tant que vous savez défendre ce que vous dites et ce pourquoi vous voulez faire ça, je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur et se dire, bah, il y a marqué tel débouché dans la fiche. Par exemple, je sais que dans la fiche de présentation de mon master, il n'y a même pas, je crois, marqué avocat, alors que, en fait, faut pas avoir, en fait, c'est juste, faut pas avoir peur de défendre aussi son projet professionnel et pas forcément se conformer à ce qui est marqué. Et c'est ça qui fait aussi votre originalité. Oui, de toute façon, mettez en avant le fait que vous avez un profil unique. Ça vaut pour toutes les demandes en master au monde. Montrez que vous êtes l'étudiant qu'il faut dans le master. C'est assez hypocrite, hein, le système de sélection. Bon, j'utilise des termes comme ça. Comme d'habitude, je vais me faire allumer par la suite. Mais c'est vraiment, il faut vous vendre. Et d'une manière, c'est vraiment ça, il faut vous vendre. Donc, vous mettez en avant ce qui vous rend unique. Et du coup, je vais donner directement la parole à Mathilde, si tu veux toi aussi, du coup, présenter. Comment ça s'est passé pour toi la sélection? Moi, mon master, bah, c'est un master assez sélectif. Donc, moi, j'ai fait ma licence de droit au Mans. Donc, je viens d'une petite fac, enfin voilà. Mais j'ai eu ma licence à 14 de moyenne. Et je sais que la grande majorité des étudiants de mon master étaient tous avec, enfin, sont tous sortis de licence avec une mention bien. Donc voilà. Après, en termes de dossier, j'avais fait pas mal de stages. Donc en fait, sur les étés depuis la L1, j'ai toujours fait un ou deux ou voire 3 mois de stage en cabinet d'avocat. Donc j'avais déjà fait ça. Et je bossais à côté de mes études. Donc j'étais serveuse à côté de ma licence. Donc ça, je sais que ça leur a bien plu aussi. Donc pour la procédure de sélection, du coup, comme je vous avais dit tout à l'heure, vous avez deux procédures. Si vous venez de Bordeaux et que vous voulez ce master-là, ben, il me semble que c'est juste vous candidater sur le site, sur le site normal pour les candidatures de master. Et donc vous aurez. Et si vous êtes pris au DJCE de Bordeaux. Par contre, je crois que vous ne pouvez pas aller dans un autre DJCE. Et si vous venez d'une autre fac, vous pouvez demander tous les DJCE que vous voulez. Et par contre, en fait, ça va être avec la sélection nationale. Donc, moi, je sais que j'avais demandé celui de Toulouse, j'avais demandé celui de Cergy, celui de Bordeaux. Je crois que c'est tout, j'en avais demandé que trois. Et donc, voilà, donc vous faites vos demandes. Et après, en fait, c'est centralisé. Et donc, vous passez vos entretiens. Donc, il y a une première sélection sur dossier et après un entretien pour les DJCE, donc à Paris. En sachant que, en fait, la plupart des DJCE, pour avoir un entretien, il faut que vous l'ayez mis en premier. Il y a une hiérarchisation dans vos vœux des masters. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, j'avais mis en premier celui de Bordeaux, en deuxième celui de Toulouse et en troisième celui de Cergy. Et en fait, Toulouse. Si vous voulez être pris à Toulouse, il faut mettre celui de Toulouse en premier. Et Bordeaux, c'est pareil. Si vous mettez Bordeaux en deuxième, vous n'aurez pas d'entretien. Si vous mettez Toulouse en deuxième, vous n'aurez pas d'entretien. Lyon, je crois que c'est pareil. Donc en fait, il faut, enfin, le premier que vous allez mettre, il faut que ça soit celui que vous voulez parce que la plupart,
vous prendront pas si c'est pas le numéro 1. Cergy, ils prennent par contre. Enfin, moi, je sais que je l'avais mis en troisième et j'avais passé un entretien pour Cergy, donc j'avais été prise aussi, mais j'avais préféré Bordeaux. Donc voilà, donc vous avez un entretien. Pour moi, ils font vraiment attention à votre personnalité. En fait, en général, enfin, pour mon master en tout cas, ceux qui ont été pris à l'entretien ont été pris dans le master, sauf, je crois, deux personnes. Mais enfin, c'est vraiment, c'est une formalité et voilà. Donc, ils vont regarder à l'entretien, donc ils vont regarder votre expérience professionnelle. Donc, comme c'est un master en plus qui se fait en alternance, bah, le fait de savoir si vous avez déjà fait des stages, des petits boulots, etc., ça les intéresse beaucoup. Voilà, ils regardent ça. Après, en termes de niveau d'anglais, enfin, moi, je sais que je parle pas anglais et enfin, j'ai été prise quand même. En disant que enfin qu'on fait un peu d'efforts, qu'on essaie de bosser, qu'on a quand même un minimum de base, ça passe. Voilà. Mais enfin après pour pas vous mentir, pour moi c'est quand même un master qui est assez sélectif sur les notes. Donc moi c'est le premier truc qu'on m'a dit à l'entretien, c'est vous avez des bonnes notes. Et voilà, la plupart des gens du master ont une licence mention bien. Donc voilà. Ok, bah super, merci. Oui, parce que par rapport à la question en anglais, je vais laisser Léa après intervenir et parler de son master, mais c'est juste qu'on a eu la question des attendus au niveau de l'anglais, des certifications. Donc je redonnerai la parole à l'autre Léa après pour qu'elle vous explique. Mais du coup, vas-y, orientation droit slash Léa, tu peux expliquer vite fait comment ça s'est passé pour toi et peut-être les attendus. Alors, pour le master du coup de Dijon, alors déjà il faut savoir que les Dijonnais sont un peu favorisés parce que à Dijon, ce qu'on a, c'est qu'il y a une L3 de droit où en fait certains élèves de L3 peuvent candidater au magistère de droit des affaires, ce qui fait que tous les étudiants du magistère ont leur place automatiquement dans le master juriste d'affaires ou dans le master droit fiscal de Dijon. Ce qui fait que si vous venez du coup d'une autre fac, bah en fait il y a très peu de places qui restent dans le master vu que les magistères ont déjà leur place. Du coup, il faut quand même avoir des bons dossiers si vous venez pas de Dijon. C'est-à-dire que moi j'avais du coup à Lyon 3 environ 13 de moyenne sur mes 3 années. Et je pense que ce qui a joué pour que je sois acceptée, enfin j'avais accepté dans une vingtaine de masters et je pense que ce qui avait vraiment joué, c'est les stages. Parce que j'avais fait notamment un stage chez KPMG, donc. Sur le CV, c'était pas mal. Et surtout aussi, ce qui m'a vraiment ouvert des portes, je pense, pour les masters et notamment pour même les alternances, c'est que j'ai fait un DU de droit anglais. Un DU, pour ceux qui ne savent pas, c'est un diplôme universitaire. C'est en fait des petits diplômes que délivrent les facs. Il y a énormément de spécialisations possibles pour les DU. Et moi, j'avais choisi de faire droit anglais et. Donc pendant mon année de L3, parce que c'était ouvert qu'à partir de la L3, et ça a énormément joué dans mon dossier pour être accepté en master et dans des alternances. Et c'est très très important, je pense, quand même en droit des affaires, de savoir parler anglais, ou en tout cas, c'est un atout de dingue. Par exemple, quand j'ai fait mon job dating en master 1, j'avais une moins bonne moyenne que certains de mes camarades, mais par exemple voilà, à Carrefour ou dans le groupe Seb, bah, je suis passée en priorité parce que j'avais ce DU-là de droit anglais et que mes copains n'étaient pas très bons en anglais, ce qui fait que je suis vraiment passée devant tout le monde en fait, du coup, pour ces secteurs d'activité-là, parce qu'ils avaient besoin de juristes qui pouvaient faire des contrats en anglais, etc. Donc c'est vraiment un gros atout de bien parler anglais en droit des affaires. Oui, n'hésitez pas si vous avez des possibilités de passer des certifications avec vos universités. Souvent, ils ont des prix moins chers, voire même c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire, c'est toujours un atout de l'avoir. Et profitez-en parce que bah, les facs ont des prix moins chers. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner là-dessus. Et je sais qu'il y a des masters où l'attendu est indiqué dans la plateforme de formation pour droit des affaires. Puisque forcément, en droit des affaires,
Comme Léa vient de vous le dire, c'est pas un prérequis, encore une fois, mais c'est une grosse plus-value et c'est de plus en plus nécessaire. Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant si vous avez des capacités particulières dans les langues et en particulier l'anglais. C'est toujours utile. Aussi, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées sur les masters, qui sont ici en master 1 et qui souhaitent candidater soit à d'autres master 1, soit en M2. Je rappelle ici la procédure cette année. Master 1, c'est la plateforme commune, c'est-à-dire que vous devez passer comme tout le monde sur la plateforme Mon Master. Pour les Master 2, par contre, c'est toujours au niveau des facultés. Certaines facultés passent toujours par e-candidat, d'autres, il y a des liens sur Mon Master qui redirigent sur e-candidat. Bref, renseignez-vous directement auprès des directeurs de Master. Je sais que notamment, du coup, tu as Léa ici qui était en droit de la vigne et du vin, qui, je crois, m'a indiqué que son master était ouvert en sélection M2. Donc, si vous souhaitez vous spécialiser là-dedans et que ça vous a passionné durant ce space, n'hésitez pas. Mais sinon, oui, pour les master 1, il faut toujours faire de manière individuelle, galérer avec les lettres de motivation individuelle, tout ça. Je viens de recevoir une question vite fait, les certifications recommandées. Je dirais les certifications reconnues par l'État. Vous amusez pas à faire des trucs de dingue. Le TOEIC, le TOEFL, le CPE, donc c'est les Cambridge, les examens Cambridge, sont les examens reconnus et recommandés par l'État. Ne passez pas par des choses dont les noms ne sont pas connus. Que quelqu'un parmi les intervenants me confirme, mais je crois que c'est le TOEFL plutôt pour le droit des affaires. Vas-y, Mimo. J'ai le droit de parler. Oui. Super. Mais voilà, toujours recommandé, enfin les. Ceux qui sont recommandés par l'État. Et n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de vos universités. Et eux ont les contacts, ils ont notamment des profs d'anglais. Et si l'anglais à la fac doit bien servir à une chose, c'est peut-être pour les certifications. Vas-y, n'hésite pas, Léa, si tu as des attendus spécifiques à ton master ou si tu as des informations là-dessus. Du coup, je sais pas s'il y a des gens de Paris 1, mais du coup, je sais qu'à Paris 1, enfin moi, ça a été instauré à ma dernière année de L3, mais pour valider la licence, après moi, j'étais en droit histoire et du coup, c'était obligatoire pour la licence de droit et la licence d'histoire. Je sais pas comment ça marche pour les autres licences, mais il fallait valider un certain niveau, enfin en tout cas, il fallait faire un test de langue pour valider la licence. Je sais que du coup, moi, j'ai pu mettre mon attestation C1 anglais, qui est une attestation du coup fournie par Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc après, je pense que ça dépend des masters parce que la plupart des masters où j'avais candidaté, ils demandaient pas du tout le niveau en anglais. Je crois qu'il y a que à Assas où ils demandaient le niveau en anglais et à Dauphine aussi, je crois. Mais dans les autres, je crois qu'ils s'en foutaient un peu. En tout cas, dans mon master, ils sont pas du tout regardants sur l'anglais. Est-ce que ça m'étonne qu'Assas demande des choses en plus par rapport aux autres? Pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Pour répondre par rapport à la certification, en fait, tout ce qui s'est passé l'année passée, c'est que quand nous, on était en licence 3, ils avaient au départ imposé le fait de passer un examen en anglais afin d'obtenir la licence, mais le décret a été annulé, je crois, 2 jours avant que les gens passent. Donc, non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'était pas obligatoire finalement pour obtenir la licence. Mais Ah c'est oui, toujours ok. bénéfique d'en faire un de toute façon. Bah du coup, nous, ils nous l'ont pas dit, je pense, parce que du coup, on a tous passé la certification. Mais après, c'était pratique parce que du coup, bah, on avait une certification en plus pour attester de notre niveau, quoi. Ouais, Donc bah, c'était quand même pratique. c'était la même chose à Assas. Je me rappelle l'avoir passé dans l'amphi. Il était à moitié rempli parce que les gens savaient. On le passait le lundi et le vendredi, le décret avait été annulé. Donc, Ah oui, ok. la faculté, je pense, a eu bien la haine de payer un examen pour que la moitié s'y pointe. Sur ce, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que j'ai regardé les DM, mais les questions, je crois qu'on a tout répondu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter parmi les intervenants? Si vous avez encore des particularités, peut-être des conseils pour les personnes, notamment dans leur lettre de motivation, dans la présentation de leur dossier. Moi, j'ai des conseils, ouais, sur la lettre de motivation. J'ai posté, si jamais ça intéresse, une méthodo de lettre de motivation pour rien oublier. Mais surtout, penser, enfin, souvent, je corrige en fait les lettres et je reçois beaucoup de lettres où, comme tu disais tout à l'heure, disons que
Chaque chose que vous faites dans vos vies, en fait, ça a de l'importance, c'est-à-dire que faut pas hésiter. Bon, ça c'est évident à mettre ses expériences pro ou ses stages, mais également, je sais pas si vous faites voilà des activités extrascolaires, ne serait-ce que voilà du foot, de la danse, de la musique, enfin n'importe quoi, du dessin, à bien le mettre et en fait pas le mettre juste comme ça, mais dire que moi par exemple, je mets souvent, je pratique du violon en orchestre depuis X années et et du coup, ça m'a apporté le travail d'équipe, de la patience, etc. Et c'est des choses qui peuvent marquer, on ne sait jamais. Enfin, moi, j'ai accroché avec quelqu'un comme ça qui avait fait du violon aussi dans sa jeunesse. Et du coup, après, il m'avait pris dans son master. Enfin, il n'y avait peut-être pas que ça, mais ça a joué lors de l'entretien. On avait créé un lien. Ou alors, même des trucs un peu banals dont vous ne pensez pas. Mais j'ai eu le cas la dernière fois de quelqu'un qui faisait pas mal de montage et de vidéos sur Instagram et tout, mais quand même pas juste sur Instagram privé, mais qui faisait des photos de paysages, etc., qu'il ne l'avait pas forcément mis dans sa lettre. Mais en fait, c'est du travail quand même, et c'est quelque chose de bon. Ça montre que voilà, vous avez des activités en dehors de la fac. C'est toujours bon. Tout est toujours bon à mettre, et rien. Il ne faut pas se dévaloriser vraiment. Tout ce que vous pouvez faire à côté. J'ai même eu des cas, bon, hors du droit par exemple, où quelqu'un qui voulait être infirmière, qui disait qu'elle s'occupait de sa grand-mère qui était très âgée, etc. Et ça fait toujours son effet. Des fois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais tout peut fonctionner. Alors, moi, j'aimerais juste. Alors, deux choses. La première, c'est qu'il y a une question qui a été posée. C'est est-ce que le fait d'avoir fait une double licence n'est pas handicapant? Certaines facultés n'aiment pas trop n'aiment pas trop, surtout le droit à sciences humaines. Et du coup, moi, je voulais revenir un peu sur la lettre de motivation parce que c'est ce que je fais en ce moment. Alors, je m'occupe aussi de corriger des lettres de motivation. Enfin, c'est plus. Je les récupère et je les envoie à des professionnels qui les corrigent pour vous. Il y a un truc qui revient souvent, c'est il y a des fautes d'orthographe. Des trucs tout bêtes, des trucs un peu plus complexes, mais il y a des fautes d'orthographe et il faut faire très très attention avec ça. Vous avez plein de choses sur Internet qui vous aident à corriger vos lettres, comme Scribence ou Reverso. Autre point, vos lettres de motivation, on vous dit qu'elles doivent faire une page. Oui, mais je vois beaucoup de monde qui réduit la police et qui réduisent l'interligne et on se retrouve avec des lettres qui deviennent carrément illisibles en police 9 avec une interligne de 0,5 et tout. Donc vraiment, quand on vous dit c'est une page, oui, il faut faire une page, mais il faut que ce soit une page qui soit aérée, qui donne envie de lire. Ensuite, pour le contenu, je pense que l'orientation droit l'a bien expliqué. Il faut parler de vous, il faut parler de votre parcours, ce que vous avez fait, ce que vous aimez. Ça peut être vraiment très intéressant. Et de toute façon, la méthodologie, elle est connue. Vous avez orientation droit qui vous avait fait une fiche dans la semaine, étudiant en confinement qui vous a fait une fiche aussi qui est un peu plus longue et qui est sur leur drive, il me semble, et qui est très bien fait. Et de toute façon, si vous avez besoin d'aide pour la correction, vous avez pas mal de personnes qui le font gratuitement. Évitez d'aller payer des entreprises ou des associations qui font corriger ça par des étudiants à 60 balles. De toute façon, c'est comme ça que moi je l'ai lancé. C'est parce qu'il le créait et c'est quelque chose qu'il faisait, des choses qu'il vendait. Et du coup, on avait créé ça avec Marilou l'année dernière. On le fait gratuitement pour vous. Et du coup, dans votre lettre, vraiment, parlez de vous, du master. Pourquoi est-ce que ce master-là vous intéresse et qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Et en troisième paragraphe, de ce que vous pouvez ensemble faire. Oui, rappelez-vous que la méthodologie, c'est moi, vous, nous. Sur ce, je ne vais pas en dire plus puisque la méthodologie est très claire et sur notre drive, le lien est dans la bio. Si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir en DM. Mais n'hésitez pas à individualiser vos lettres de motivation par rapport au master, par rapport aux débouchés qui sont attendus en particulier pour le master. Puisque il faut savoir que en particulier en droit des affaires, les directeurs de master cherchent des futures personnes à insérer dans leur réseau. C'est-à-dire que puisque ça fonctionne beaucoup avec des partenariats, moi on m'a déjà dit que c'est ça qu'ils cherchaient. Donc des personnes qui vont rester en droit des affaires et qui vont continuer dans les projets qui eux peuvent concerner leur master. Donc n'hésitez pas à montrer que vous êtes vraiment un candidat idéal, que vous ferez partie de ce réseau d'anciens du master. Et du coup, que vous serez vraiment un véritable bénéfice pour ce master. Encore une fois, appuyez le fait qu'il y a des partenaires bien précis de ce master-là que vous souhaitez avoir, que c'est un cours en particulier qui est enseigné, qui vous intéresse.
De manière générale, ça fonctionne pour tous les masters, ces conseils-là. En droit des affaires, c'est même pas un conseil, c'est une obligation, puisque vous êtes dans une filière qui est très demandée, avec beaucoup de compétition, que ce soit dans le choix des alternances, que ce soit dans le choix des masters. Et faites aussi très attention à ce que les universités proposent. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe dans les universités. Je sais que notamment à Assas, il y a ce qu'ils appellent une job fair. Donc c'est pendant 2 jours, l'ensemble de je ne sais pas combien de cabinets d'avocats, il y a même la chambre des notaires qui était là, et qui en fait, vous venez avec vos CV en master 1 et vous demandez des stages. Donc du coup, ça concerne en particulier les gens en droit des affaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à candidater du coup au master d'Assas. Puisque y a des facultés qui sont beaucoup plus prestigieuses que d'autres. Je sais pas si je sais qu'à ça, ça a quand même des très bons masters en droit des affaires, mais je sais aussi qu'il y a d'autres facultés qui ont des masters bien spécifiques et qui sont très demandés pour ce projet-là. Droit de la vigne et du vin est un exemple, mais je sais qu'il y en a d'autres. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire de longues recherches dessus. Vous trouvez toutes les informations ou sur le site des universités et surtout sur la plateforme LinkedIn. Sur la page d'association des masters 1 ou 2, n'hésitez pas à mettre ça en avant. Et du coup, Léa, j'ai vu ton message, n'hésite pas à donner les informations. Ouais, je voulais juste vous donner une info. Du coup, vendredi là qui arrive, je ne sais pas combien, je crois que c'est le 3, il y a un Zoom que mon directeur de master organise à 14h, il me semble. C'est sur le site, je pense que le lien sera sur le site de l'université, enfin sur le site du master de l'université. Si vous voulez avoir une présentation plus en détail, peut-être voir la tête du directeur de master. Je sais que parfois c'est un peu rassurant, voir comment il s'exprime, quelles informations en plus il peut donner. Je pense que ça peut être bien et même peut-être vous faire remarquer en posant des questions, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Et aussi lui envoyer un mail si vous pouvez pas venir pour poser une ou deux questions, histoire peut-être qu'il voit votre nom et qu'il retienne un peu que vous êtes hyper intéressé. Et surtout, n'ayez pas peur de le contacter parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il est très très sympa, très très ouvert. Vraiment, n'hésitez pas du tout à lui envoyer un message. Il est vraiment très très bienveillant. Oui, n'hésitez pas à être présent lors des journées portes ouvertes, des présentations, des masters, etc. Ça, c'est un peu jeter un pavé dans la mare, mais comment dire ça? Ça peut vous permettre de vous démarquer, surtout si vous montrez que vous êtes présent des mois avant la sélection. Ça peut permettre de montrer que vous ne prenez pas au dernier moment le master droit des affaires qui passe, même si ce n'est pas le cas, hein, ce n'est jamais le cas d'ailleurs. Voilà, au moins vous montrez que vous êtes réellement intéressé. Et d'ailleurs, faire notamment des réunions de présentation de master comme ça, c'est très important. Il y avait une question, je pense que ça va être dans les dernières questions. Est-ce qu'un échange à l'étranger est un plus en master de droit des affaires? Je te répondrai à la question à laquelle on répond à chaque fois. Ça dépend. Je sais qu'en tout cas, il y a des directeurs de master dans certaines universités qui, lorsqu'ils voient échange à l'étranger, ont peur, puisqu'ils savent qu'un échange à l'étranger n'est pas forcément gage de qualité au niveau des enseignements à l'étranger. Il y a souvent un certain relâchement de la part des étudiants. Et donc, du coup, ça dépend. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de réponse universelle. Ça dépend vraiment beaucoup. Je laisserai Léa répondre. Je pense que tu as des informations là-dessus. Ouais, alors je sais qu'à Bordeaux, il y a des gens qui l'ont fait dans mon master. Ça n'a pas posé de problème. Par contre, je ne sais pas si quelqu'un veut candidater à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais je sais que c'est presque rédhibitoire les stages. Enfin, pas les stages à l'étranger, mais les Erasmus. C'est pas du tout conseillé. Donc, pour le coup, faut voir quel master vous voulez. Mais ouais, je me souviens qu'en tout cas, personne n'osait faire d'échange Erasmus parce que pour le coup, ouais, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en tout cas, c'était pas du tout l'optique des directeurs de master. Ouais, je crois qu'à ça, c'est un peu la même chose. Je ne suis pas au courant du tout de ce qui se passe en master droit des affaires, mais je sais que de manière générale,
les directeurs de master n'aiment pas trop, puisque voilà, les échanges Erasmus, il y a un peu cette image de c'est des personnes qui bossent pas pendant 4 mois, puis qui reviennent pour passer les partiels. Bref, c'est pas forcément vrai, hein. Ça peut l'être pour certains cas, mais ça ne l'est pas forcément. Mais c'est l'image qui est renvoyée. Donc, si vous souhaitez vraiment des parcours très sélectifs, de manière générale, personnellement, on m'avait déconseillé de partir en Erasmus pour cette raison. C'est-à-dire que ça peut vous fermer certaines portes à des masters très demandés, puisqu'on considère que vous n'avez pas suivi une formation qui est suffisante pour accéder au master. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois Je me pas. permets juste pour ceux qui veulent aller vraiment à Vas-y. l'étranger, mais enfin étudier en tout cas à l'étranger, ce qu'on peut vous conseiller, bon, après il faut avoir de l'argent, mais c'est-à-dire qu'en master en droit des affaires, alors autant on n'aime pas les Erasmus en général, par contre, ce qu'ils adorent, c'est qu'après la fin de votre master 2, que vous fassiez en fait ce qu'on appelle un LLM, c'est l'équivalent d'un master, mais dans les pays anglophones. Alors ça coûte très cher. Hein, nous, on a un LLM avec la fac de Bourgogne qui se fait dans la ville de Cambridge. Pas à l'université de Cambridge, mais dans la ville de Cambridge, c'est notre université. Et ça coûte environ, nous, là, 15 000 livres. Donc c'est très cher, mais c'est très, très recherché après dans les entreprises en droit des affaires. Par exemple, si vous ne passez pas le CRFPA, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises ou de gros cabinets d'avocats qui prennent beaucoup de gens qui ont fait des LLM. Voilà, mais c'est une possibilité si jamais vous voulez étudier à l'étranger de faire ce type de diplôme. Hop. Ah oui, bien sûr, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Faites toujours en fonction de vos moyens. Et donc, si vous avez le budget pour faire ce genre de formation, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Mais pour du coup, ceux qui veulent partir même à l'étranger après, vous pouvez le faire pendant le master. Une fois que vous avez votre place bien au chaud, que votre place en M2 est sûre et certaine. Vous n'êtes pas obligé de le faire en L3 où ça peut nuire à votre dossier. Personnellement, j'ai énormément de camarades de master qui vont en échange cette année parce qu'ils sont assurés d'avoir leur place l'année prochaine, du moins s'ils valident leur master 1. Donc, peut-être attendez un peu si vous voulez faire des échanges à l'étranger. Sauf si, par contre, il y a, voilà encore une fois, sauf si le directeur de master a spécifiquement montré un intérêt particulier pour des personnes qui ont fait des échanges à l'étranger. Mais encore une fois, il faut se renseigner sur les LinkedIn. Poser des questions aux anciens étudiants, que ce soit des gens en M2, que ce soit même des gens de plus anciens, mais qui sont sur LinkedIn et vous pouvez retrouver au niveau de leur formation. Ça vous permettra d'avoir un point de vue bien plus concret des attendus du master que n'importe quelle chose qu'on pourra vous dire sur un space comme ça. Sur ce, je pense que les questions, on a fait le tour. N'hésitez pas du coup à continuer à suivre les différents comptes ici. Orientation droit a apparemment des très bonnes informations sur les masters droit des affaires, donc n'hésitez pas à la suivre. Mimo, le droit en 3 minutes, pourra vous conseiller au niveau de la sélection en master en général. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre étudiants en confinement, puisqu'on relaie de manière générale plein d'informations sur les différents masters. Il y aura peut-être dans les prochaines semaines, on avait déjà fait un, mais peut-être un nouveau space sur la sélection en master, en particulier sur la rédaction des lettres de motivation, les préparations aux entretiens, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et sachez que dans les prochains jours, il y aura d'autres spaces sur d'autres filières, si ça vous intéresse. Vous aurez à réécouter d'autres spaces qu'on a déjà fait, notamment celui d'hier sur justice, procès et procédure. Il y aura d'autres, il y a droit pénal qui a déjà été fait. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Si vous en avez, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter en DM, chacun des comptes ici présents. Et même de toute manière, on peut relayer par la suite. Sur ce, je pense que, vu l'heure, on a fini. Vas-y, Mimo, encore une fois. Merci Marilou de me laisser parler, c'est toujours un honneur d'avoir ton autorisation. Sur mon compte en épinglé, vous avez une adresse mail auquel vous pouvez envoyer vos lettres de motivation que on vous corrige gratuitement, c'est-à-dire que je l'envoie à des professionnels du droit ou des professionnels des ressources humaines qui vous corrigent ces lettres de motivation pour qu'elles soient en adéquation avec ce que les directeurs de master veulent avoir. Autre point, éloignez-vous des masters, je ne le redirai jamais assez souvent. Et troisièmement, étudiants en confinement préparent des spaces qui arrivent. Il y aura en droit public et propriété intellectuelle, il me semble. Ouais, c'est ça.
Oui, voilà. Et qu'on en refera. Oui, et d'ici quelques jours, voire maximum 2, 3 semaines, sur mon podcast, vous allez avoir les interviews de chaque directeur de master de l'université de Grenoble qui vont vous dire qu'est-ce qu'il faut pour arriver dans le master, ce que vous faites dans le master et ce que les débouchés qu'il y a après le master. C'est quelque chose que j'essaie de préparer depuis un moment, mais vous connaissez l'administration française et l'université ne donnera pas cette règle. C'était le, encore une fois, le uni enseignement supérieur et administration des universités 8 Account. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup aux deux Léa et à Mathilde d'avoir participé. C'était très sympa à vous d'avoir pris de votre temps de manière bénévole pour répondre aux questions des personnes qui souhaitent avoir faire droit des affaires. Je remercie pas Mimo, parce qu'à force, je le remercie trop souvent et il prend la confiance. Sur ce, passez une très bonne soirée. Et bon courage à vous pour la sélection. Bonne soirée. Merci Marie-Louise, Merci. Bonne soirée à tous.